Jean Piaget's ideas and writings have been influential throughout the world in the study of child development and in education. He applies the term genetic epistemology to his studies of the development of knowledge in human beings. His research has led him to a theory of knowledge. This film was made in Switzerland in 1977, exactly as Piaget wanted it made. He discusses his ideas, tries to clarify misunderstandings about them, and he shows some of his classic experiments with children. J'aimerais dire d'abord deux mots de l'idée centrale de notre épistémologie génétique, parce qu'elle est presque toujours mal comprise. Les uns me prennent pour un empiriste, et même pour un néo-behavioriste, comme l'a fait Berlein, parce que je soutiens que la connaissance part de l'action exercée sur les objets. Or, une action sur les objets, c'est pas du tout la même chose que tirer la connaissance des objets eux-mêmes. Il y a donc là une première confusion. Les autres me trouvent au contraire néo-maturationniste ou même innéiste, étant donné que je fais appel à l'action du sujet. Mais ils oublient que l'action du sujet, c'est justement une action sur les objets, qui a par conséquent interaction et pas action à sens unique. Autrement dit, je ne suis ni empiriste, ni innéiste, mais je suis constructiviste. C'est-à-dire que je pense que la connaissance est affaire de continuelles constructions nouvelles par interaction avec le réel et ne sont pas préformées. Il y a créativité continuelle. J'aimerais donc montrer en quoi la connaissance n'est pas préformée, ni dans les objets, ni dans le sujet, mais qu'il y a toujours auto-organisation et par conséquent une continuelle construction et reconstruction. Eh bien, pourquoi ne suis-je pas empiriste? L'empiriste pense que la connaissance est une sorte de copie des objets, une copie fonctionnelle, comme disait Hull. Or, ça n'est jamais une copie. Elle est toujours une assimilation, c'est-à-dire une interprétation par intégration de l'objet dans des structures antérieures du sujet. Le meilleur exemple qu'on puisse donner pour justifier cette thèse, c'est l'étude du dessin lui-même chez l'enfant, étant donné que le dessin, par définition, est une copie d'un modèle. Eh bien, ce qu'on observe chez le jeune enfant, c'est que l'enfant ne dessine pas ce qu'il voit, il dessine l'idée qui s'en fait, il dessine ce qu'il en sait, c'est-à-dire son interprétation, et non pas l'objet tel quel en tant qu'observable perceptible. Prenez par exemple la copie d'un losange. Je demande à l'enfant de copier ça, voilà le modèle. Eh bien, pour l'enfant, le losange, c'est un carré qui a des pointes. Alors, voyez le résultat, il vous dessine un carré avec une pointe dessus, ou bien il vous dessine un carré avec une pointe à côté. Vous allez voir maintenant une première expérience. C'est une petite fille nommée Emmanuelle qui a 3 ans, 6 mois, et qui va copier devant vous un triangle. Take a good look at it, hein? Like that. Like that? And then the corners here. Little what? Little points here, see? Ah, yes. Ce triangle, elle le conçoit comme une sorte de carré auquel elle rajoute 3 pointes. Des pointes qui sont d'ailleurs arrondies et pas pointues, mais qui représentent dans son esprit, elle le dit, 3 pointes. Autrement dit, critique de l'empirisme, la connaissance n'est jamais uniquement moulée sur les observables, elle ne consiste pas en observables purs, mais toujours en interprétations
par assimilation à des structures préalables. D'autre part, pourquoi ne suis-je pas innéiste ou a prioriste? Eh bien, prenez l'histoire des sciences. Toute l'histoire des mathématiques est une construction continuelle. En partant des nombres naturels, 1, 2, 3, 4, il a fallu des siècles pour construire l'ensemble des nombres entiers avec les négatifs. En partant des rationnels, il a fallu attendre jusqu'à Pythagore pour découvrir les irrationnels. Ça signifie que ces connaissances ont été construites. Elles ne sont pas préformées. Si on les croyait préformées, comme le pense Chomsky avec sa candeur biologique, eh bien, il faudrait penser que les mathématiques sont déjà là d'une manière implicite ou innée chez le bébé, mais pas seulement chez le bébé, chez l'animal, il faudrait remonter jusqu'aux invertébrés et aux protozoaires pour y voir la source des mathématiques. En réalité, les mathématiques, chez l'enfant, on y assiste d'un jour à l'autre, sont sans cesse construites par les actions du sujet, elles procèdent à partir de la coordination des actions du sujet, de la logique de l'action du sujet. Et alors, de ce point de vue, il lui faut tout construire. Et même les choses qui nous paraissent les plus évidentes pour nous, il doit les construire. Je vous donnerai un petit exemple, ou plutôt vous allez assister à l'expérience avec un enfant. On montre à un enfant une ficelle qui présente cette configuration. On lui demande ce qui se passe si on tire de ce côté-là. Ben, il comprend très bien que si on allonge de ce côté, on va raccourcir de ce côté. Apparemment, il a tout compris. Mais si vous lui demandez est-ce que la longueur totale est la même dans les deux figures, ou bien la même que dans l'objet témoin que vous allez voir dans l'expérience qu'on va faire à l'instant, eh bien, il nie la conservation. Ça n'est pas la même longueur totale. Quand même, il a compris une partie de la transformation. Eh bien, que même une conservation aussi élémentaire ne soit construite que vers 7 ou 8 ans, vous montre combien il y a d'écart entre l'inné d'un côté et puis ce qui est peu à peu élaboré, construit, organisé par le sujet. There. So cut it. So we cut it. If we cut it there, will it be just as long? Yes. Is that okay? There. Now listen to me. Now the two strings are just as long? Okay, now this one we'll leave here. Now then, listen to this. If I pull this string like this, what's going to happen? This one will be big, and that one will be little. Where will it be little? There. And where will it be big? There. Okay. There it will be big, and here it will be little. Okay. So shall we do it? Yes. There. Is it? Is that right? Good. Now tell me this. This string from this end to this end, is it still just as long as that one, or is it not just as long as that one? Not just as long as that one. It is not just as long as that one. Okay. And what if we put this one back as it was before? How will it be if we pull here again? This one will be like this one. This one will be like this one. And where will the big part be? There. Yes, and where will the little part be? There. Okay. So we pull like that. And now the string from this end to that end, is it just as long as that one? Yeah. Yes? Yeah. Okay. And if we pull again, there, like that, are they just as long, both of them? No. No. Disons maintenant quelques mots des structures opératoires. J'entends par là des systèmes de transformation exécutés par le sujet, donc le prolongement des actions du sujet, mais de transformations qui peuvent se composer entre elles et donner un système fermé. Exemple, une classification ou bien une sériation dont vous verrez tout à l'heure un exemple expérimental, ou bien une table à double entrée ou tout ce que vous voulez. Et pour ce qui est des opérations, je les définirai comme des
transformation ou action du sujet et qui peuvent être retournées, qui sont réversibles. Exemple, l'addition dont l'inverse est la soustraction. Or, nous avons étudié longuement les structures dès les stades, dès avant le langage et à partir du langage. Une objection continuelle qu'on nous fait, et surtout chez les anglo-saxons, c'est que la structure n'existe que dans l'esprit de l'observateur, du psychologue, et que la structure n'est pas comme telle dans l'esprit de l'enfant. Eh bien, à cela, j'ai une réponse qui me paraît bonne, c'est que je définis la structure comme étant ce que l'enfant sait faire et non pas ce qu'il en pense. Il ne fait pas du tout lui-même une théorie de la structure, bien entendu, mais il exécute des actions et nous constatons, nous, que ce qu'il sait faire dans ses actions est bien coordonné et surtout que cela lui permet d'en tirer par déduction des conséquences auxquelles il n'avait pas pensé, comme nous allons le voir tout à l'heure à propos de la sériation. Autrement dit, la structure, c'est en fait un ensemble de pouvoirs coordonnés que le sujet a acquis et dont le théoricien peut formuler les lois d'une manière abstraite, mais dans l'esprit de l'enfant, ça n'a rien d'abstrait, ça n'a même rien de théorique, c'est l'ensemble de ces pouvoirs coordonnés entre eux. Nous allons constater, d'abord voir comment se constitue une structure qu'est la sériation. Look, Barbara, these are sticks. Would you call them sticks?